Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rétrécir le vagin pour les femmes qui ont déjà eu des enfants ou pour les femmes qui abusent beaucoup du sexe ou parce que quand tu prends de l'âge, tu n'as plus 18 ans, donc le sexe y prend. Parfois, c'est à cause des médicaments bizarres qu'on nous prescrit. Nous allons parler du vagin, comment le rétrécir et nous allons parler du pénis. Comment le faire grossir et l'allonger? En fait, c'est pas compliqué hein, pour ça. Pour les femmes, je vous demande de changer vraiment vos caleçons là, à faire de string, des trucs qui agressent franchement le vagin. Les pètes blanches, les prothèses slip avec des produits toxiques qui favorisent des démangeaisons. Et des pètes blanches abondantes. Donc, je vous conseille de revoir aussi ce côté-là. Donc, voilà. Vous pouvez me contacter par mail pour celle qui veut s'en procurer. Ce produit-là, même si tu as les pètes blanches, même si tu as eu 18 enfants, même s'il y a des calibres 12 qui passent, les filles, ça. Ça rétrécit comme si tu avais 18 ans. Ça rétrécit. C'est pas la peine de mettre des trucs dans votre et dans là-bas. Les gens, ils font des vidéos, ils prescrivent des trucs, des thés, des quoi-quoi, du miel. Le sexe n'a pas besoin de. Le vagin n'a pas besoin de tout ça. Voilà ça. De ma grand-mère jusqu'à maintenant. Quand mon mari même, il me prend là, il est content. Parce qu'il a l'impression qu'il est avec une femme de 18 ans. C'est bien serré. Quand le gars il passe là, il transpire. Donc je vous conseille les filles, vous pouvez me joindre pour que je vous donne ce petit secret. Où que vous soyez, je vous donne les filles. On peut s'entendre par inbox pour ne pas que les gens pensent que je fais du commerce illégal. Donc vous pouvez me contacter, on va parler de ça tranquillement par email. Ou par message, vous laissez votre numéro dans les commentaires. Je vais vous donner ça. Je vais vous donner. Je ramène ça d'Afrique, c'est beaucoup même. De ma grand-mère jusqu'à aujourd'hui, dans notre famille, là, toutes les femmes sont mariées. Et les hommes, là, ils aiment ça. Ils aiment notre truc, là. Pourquoi? Parce que voilà le secret, là. Voilà le secret. C'est pas la sorcellerie, hein. Ni aller voir un marabout. C'est un truc naturel. C'est dans la mer. Il faut le trouver, c'est tout. Il faut le connaître. Ce qui concerne les hommes qui ont les petits zizi ou bien les zizi qui ne deviennent pas durs, c'est simple. Je vous conseille d'aller acheter, et comment on appelle ce truc-là, du concombre. Vous broyez bien le concombre, là, le jus de. Vous le broyez bien, vous le lavez bien. La façon dont vous voulez que le sexe les devienne, là, c'est comme ça, je vais vous montrer. Donc, vous broyez bien le concombre. J'ai fait d'autres vidéos, vous pouvez regarder mes autres vidéos là où j'ai expliqué pour les éjaculations précoces, comment et satisfaire sa femme. Dans d'autres vidéos, je ne sais pas, j'ai oublié le titre. Donc, vous prenez le concombre, vous le pressez bien, mixez le jus, vous le tamisez. Le jus là, vous mélangez, et mixez aussi la banane douce. Et oui, la banane douce. Tout le monde connaît la banane douce. Vous mixez ça et vous mélangez avec l'huile de le beurre de karité et naturel. Ceux qui en veulent, parce que j'ai ramené beaucoup d'Afrique, vous pouvez me contacter par inbox et on va voir ça. Vous mélangez, vous faites légèrement mélanger la pâte de banane douce avec le concombre, vous le mélangez bien, vous mettez un peu de beurre de karité dedans, vous mettez au micro-ondes, ça chauffe 2 minutes. Et ça, vous massez bien le zizi avec, dans le sens où ça sort. C'est-à-dire que vous prenez le zizi, vous le massez comme ça, pour que ça sorte. Non seulement ça fait grossir le pénis, ça le durcit, et ça fait en sorte que quand vous passez chez une femme là, elle est comme ça. Je vous assure, c'est pas une blague. C'est pas la peine de chercher des trucs, aller voir des marabouts où ils vont vous vendre des potions à la con. Vous pouvez me contacter, j'ai plein de petits secrets. Le zizi, là, il doit être dur quand ça passe. Le zizi doit pas être. Quand le zizi, il voit la quéquette, là, il devient dur. C'est ça un homme.
Quand vous voyez les blagues là, vous ne croyez pas que c'est la sorcellerie, ce n'est pas la magie. Le concombre là, cherchez le bio. Vous allez faire ce que je vous ai dit là. Et vous massez le sexe en sortant. Comme ça, tous les matins ou tous les soirs. Vous allez non seulement voir que le zizi va être dur. Bon, je ne dis pas que c'est la magie, ça va faire comme ça tout de suite. Mais soyez un peu patient. Quand ça va prendre forme là, vous-même, vous allez voir votre zizi. Non seulement il va grossir et il va devenir dur. Mais vraiment dur. Quand tu vas attraper une femme là, elle va crier yes. Donc, je fais cette vidéo pour les vagins qui sont devenus larges, pour les rétrécis et pour les zizi qui veulent grossir. Donc, celui qui veut, il me croit. Celui qui veut pas, je ne suis pas médecin. Ne me créez pas des problèmes en France ici. Je ne suis pas médecin. Je donne juste des petites potions pour qu'on puisse s'entraider. Parce que la médecine, là, elle n'a pas notre temps. Il y a tellement de maladies à traiter que aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas le temps de traiter des choses vraiment importantes. Alors que le sexe, là, c'est pour ça qu'on est sur terre ici. Celui qui couille pas bien sa femme le quitte. Celle que son toto ne peut pas attraper son mari, en tout cas. Et Kékette, là, si ça bave, bave, là, le gars, il te laisse. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la peine d'aller voir les magiciens, les marabouts, les voyants qui mentent et qui vous escortent, là. Moi, je vous donne les petites options. Partagez mes vidéos et laissez-moi des commentaires pour ceux qui veulent plus de détails. J'en vends. Celui qui veut le beurre de karité pur, j'en ai. Celui qui veut. Et en tout cas, le concombre et la banane plantain mélangés un peu au micro-ondes, vous massez bien le zizi avec. En tout cas, si vous faites ça régulièrement, vous allez voir que il aura vraiment de l'amélioration pour ceux qui ont les petits zizi et les gros et les zizi qui ne sont pas vraiment très fermes quand ils font l'amour. Je vous fais de gros gros bisous et partagez mes vidéos.